Bien, bonjour. Alors là, on est en train de faire le... On est en train de faire... De continuer sur le cours numéro 1. On avait vu comment créer des... un formulaire de saisie sur les clients, un formulaire d'affichage. Par exemple, si je clique ici sur détail, j'affiche. Je fais retour à la liste. Si je fais ici modifier, il me retourne le formulaire. Je fais retour à la liste. Et si je fais supprimer, il me dit est-ce que tu veux supprimer? Je vais supprimer ainsi de suite. Maintenant, l'objectif de ce cours-là, c'est de pouvoir améliorer cette grille de données, cet affichage, en ajoutant le tri, en ajoutant une petite zone de recherche et en ajoutant la pagination au niveau de cette grille-là. Alors, pour réussir ça, on va y aller, je vais fermer cette fenêtre. La première chose, l'étape 1, c'est d'ajouter les nuggets de jQuery, les fichiers JS dont nous aurons besoin, et les fichiers CSS dont nous aurons besoin. Alors, pour le faire, on va aller sur Projet, et on va ajouter, on va cliquer sur Gérer les packages nuggets. Alors, si vous ne l'avez pas, si vous n'avez pas les nuggets qu'on va associer à ce projet, il faut que vous soyez connecté à Internet pour que vous puissiez les télécharger. Bien, moi j'attends. Il est en train de charger les nuggets existantes et je vais lui faire une mise à jour de ces nuggets-là parce que j'ai besoin d'un fichier, la nugget jQuery Data Tables. C'est elle qui va me permettre de visualiser cette grille-là qui est sous forme de tableau d'ailleurs, de visualiser ce tableau en ajoutant la recherche, le tri et là. Alors je fais rechercher, qu'est-ce que je cherche? Je cherche data table, je fais data table, il me dit introuvable, je fais jQuery, c'est ça? Je fais jQuery. Hein? Là, il me dit ceux qui sont installés. Je vais cliquer sur parcourir et je fais jQuery point, c'est ça? jQuery espace point jQuery point data table. Et je le laisse faire. Il est en train de chercher jQuery.datatable. Alors j'attends. Alors là, il faut écrire jQuery espace datatable avec S. Et là, vous avez le jQuery data tables. Je clique dessus et je fais installer. C'est ça? Il est en train d'installer jQuery. Je vais arrêter l'enregistrement pour un moment, jusqu'à ce qu'il finisse. Alors là, je crois qu'il a terminé. Alors, quel est l'impact ici? Là, il est en train de terminer le travail. Regardez que ce qui se passe ici au niveau des dossiers. Il est en train de créer des dossiers. L'installation réussie de jQuery. Alors, il m'a affiché deux avertissements. Le code point provider. Bon, on se casse pas la tête. Alors, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il a téléchargé tout ça? Où est-ce que je vais le retrouver? Alors, après le téléchargement de ces nuggets, qu'est-ce qui s'est passé dans mon projet? Alors, si je vois le dossier contenant,
et j'ouvre ce dossier data table, je vais trouver qu'il m'a créé un fichier, un dossier CSS, un dossier image et un dossier flash. Alors regardez, si je vais ici dans le dossier CSS, je vais trouver pas mal de fichiers qui ont été mis en place au niveau de ce dossier-là, grâce à cette nugget. Si je vais dans les dossiers images, je vais trouver certaines images utiles pour lui. Et un dossier SWF, là où il a mis un fichier pour SWF. Voilà, essentiel. Alors nous, si je vais dans quel dossier? Si je vais dans le dossier CSS, on a besoin du fichier qui s'appelle datatable, regardez, datatable.bootstrap. C'est ce fichier dont on a besoin pour notre CSS. Lui, il a fait pas mal de choses. Bootstrap main, bootstrap cat, foundation, jQuery, et ainsi de suite. Nous, on aura à utiliser ce fichier-là. Alors ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, on va aller dans le dossier AppStart et je vais ouvrir le fichier bundleconfig.cs. Alors, dans ce bundle.config, on va aller jusqu'à ici, jusqu'au bundles.add, le dernier correspondant à CSS, content.css. On a deux fichiers ici, bootstrap.css et site.css. Je me mets ici, au milieu, là, et je vais aller voir où est-ce qu'il est ce fichier bootstrap, datatable, bootstrap, il est dans le dossier. Où est-ce qu'il est? Il est dans le dossier CSS. Je vais voir. Ce dossier CSS, on avait dit qu'il est où? Alors, data tables. Là, le dossier. Où est-ce qu'il est le dossier? Le dossier, on avait dit qu'il était dans contenant, data tables. Dossier CSS, et je vais chercher. Là, on avait dit data, c'est ça? datatables.bootstrap.css. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire touche droite, et je vais faire propriété. Je vais prendre ce chemin-là. Bon, c'est un chemin qui est quand même absolu, mais je le prends quand même. Voilà, CTRL-C. Et je vais revenir sur mon bundle config. Et je vais le mettre entre deux guillemets, je le mets, je colle et j'enlève tout ça, j'enlève dossier de travail, ainsi de suite, tout le chemin absolu jusqu'à où? Jusqu'à content. Allez, voilà, j'enlève encore. Et je reste jusqu'à content ici. Et je vais copier-coller ce signe bizarre avec l'outil slash. Et voilà. Je vais le mettre ici. Et je vais changer tout ça. Les slash par. Je ne fais pas la différence entre le slash et l'outil slash. CSS slash CTRL-V. Data table. Jusque là. Et je mets une virgule après. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? On avait dit qu'est-ce que j'ai fait? Dans ce bundles.config, je suis en train de faire des références au fichier CSS que je vais utiliser dans toute l'application.
C'est ça, dans toute l'application. Bien. Je reviens. Je ferme cette fenêtre propriété. Après, qu'est-ce que je vais faire? Ajouter les fichiers jQuery. Je vais ajouter les fichiers jQuery qui me sont... Alors, je vais les mettre dans... Ici, là où il a mis les jQuery. Voilà. La première, c'est ça? Ici, public static register bundles. Dans cette première méthode add, et à l'intérieur de l'include, regardez, je vais me mettre avant, juste avant les parenthèses. Moi, j'ai un seul fichier qu'il m'a ajouté ici, qui est le script jQuery version, ainsi de suite. Et je vais rajouter deux autres fichiers. Le premier, c'est jQuery.datatable.js, que je vais retrouver ici dans script. Alors, cette fois, je vais aller où ça n'est pas dans content, il est dans le dossier script, et j'ai besoin du fichier jQuery.datatables. Je vais aller dans datatables, ici, voilà, et je vais lui dire jQuery.datatables. Alors, jQuery.datatables, je fais datatables, jQuery.datatables, où est-ce qu'il est ? jQuery.datatables.js, c'est celui-là. Je vais prendre son nom, comme ça cette fois. Je fais un petit copier-coller. Bon, je vais aller dans Bundles, et cette fois je vais copier ça. Je vais copier ceci. Je vais copier le chemin du premier fichier, et je le colle. Et qu'est-ce que je vais faire? Alors, j'ai besoin d'une virgule juste après le premier, et je vais lui dire, tu me trouves... Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, c'est script, slash, quoi? Slash data tables. Je vais prendre le nom de data tables. Et je le mets ici. Je fais un petit slash. Aussi, qu'est-ce que je prends? jQuery. Il est où? Il est où? jQuery.datatables.js. Où est-ce qu'il est? Il est là, quelque part. Il est là. Je prends son nom. Je prends la totalité avec l'extension. CTRL-C. Je reviens ici et je lui dis, prends-moi aussi le fichier JS. Le deuxième fichier que je dois prendre aussi... Pour la décoration avec Bootstrap. Alors, pour le cours de Bootstrap, vous pouvez vous documenter comment on travaille avec Bootstrap. Mais c'est des fichiers qui vous offrent des fonctionnalités déjà prédéfinies. Alors, cette fois, je vais chercher le Bootstrap.js. Où est-ce qu'il est, Bootstrap? Bootstrap. C'est Data Tables Bootstrap. Data tables bootstrap, je vais faire bootstrap, il dit rien, c'est toujours dans data tables, c'est ça? Là, data tables point bootstrap, data tables point bootstrap point js, il est là, il est dans le même chemin, parce que tous les js ils sont ici. Et je vais le prendre, au lieu de jQuery.datatables.js, je vais lui dire, prends-moi le datatables.bootstrap.js. En fait, ça, c'est des fichiers qui vont me servir pour la mise en forme de ma liste. Bien. Alors, j'ai pris les deux fichiers JS, et un fichier CSS qui est celui-là. Très bien. Étape 3. Alors, l'étape qui va suivre, la vue, je vais aller dans le dossier View, ici, et j'ai ici une vue contrôleur, plutôt une vue client.
La liste, alors la vue là où il y a la liste, là où il y a la grille, le tableau qui affiche la liste des clients, c'est la vue index.cshtml. Je vais l'ouvrir. Je l'ouvre et vous allez regarder que lui, il a créé une table avec des TR, des TH et ainsi de suite. On va revenir dessus. Et je vais aller juste après la table. Et je vais ajouter un script pour qu'il puisse appeler les fonctions JavaScript qui sont dans les fichiers JS que j'avais mis en place tout à l'heure. C'est ça. D'abord, donner un ID au tableau pour le. Alors, je vais aller pour que JavaScript arrive à connaître cette table-là. Je vais lui donner un ID. Regardez, je lui donne un ID. Alors, pour faire ceci, il faut que vous soyez capable de savoir que les fichiers JavaScript et CSS, ils reconnaissent les objets par des ID ou par des classes. J'y vais. Alors, celui-là, je vais l'appeler ID client. Client avec S. Ça marche? Après, cet ID-là, regardez, retenez bien, cet ID-là, je vais le réutiliser. Alors, je fais copier. Et je me mets en bas. Et cette fois, je vais appeler une fonction avec le langage. Non, c'est un langage de bootstrap, c'est un langage plutôt jQuery. Alors, pour l'appeler script, il faut faire attention que ce script-là, vous êtes obligé de le mettre à la fin de la page, on avait dit. À la fin de la page, on avait dit. Pourquoi? Parce que il doit lire les objets HTML, retenir les ID, et puis appeler la fonction jQuery avec la syntaxe. Alors, pour appeler cette fonction-là, regardez, je mets $ et je fais document. Là, je fais document. Après, point ready. Vous pouvez toujours vous documenter sur la syntaxe pour appeler des fonctions jQuery. Et je fais function. J'ouvre une parenthèse et je la ferme. Et j'ouvre une accolade. Et là, à l'intérieur, je mets $ et je mets dièse et je lui donne le nom, plutôt l'ID que j'avais mis tout à l'heure. Tout ça, je le mets entre deux guillemets. Alors, si vous voulez savoir comment ça se passe, allez vous documenter comment je peux utiliser des fonctions jQuery à partir de fichiers .js avec Bootstrap. Ça. Et tout ça, point datatable. Datatable, choisissez celle avec D majuscule et vous fermez. Alors, je vais remettre ça là où il est. Qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit $document.ready de function et j'ai appelé la fonction qui retourne datatable. Point datatable. Et je fais slash script. Très bien. Jusque-là, si je vais ici, qu'est-ce qu'il me reste? Je vais aller sur la vue index. Je suis sur la vue index. Et je fais, je vais enregistrer tout ça. Et je vais faire CTRL F5. CTRL F5 pour qu'il ne compile pas.
Est-ce qu'il doit compiler ou non? Il doit compiler, je fais F5. On a ajouté des fichiers à bundle config. Puisqu'on a ajouté les fichiers sur le bundle config, il faut compiler. On va voir ce qu'il va faire. On n'a pas besoin de compiler, on a fait des changements que dans la vue. Si on ne fait que des changements dans la vue, on n'a pas besoin de compiler. Il n'a rien fait, finalement. Je dois faire, pour compiler, je dois faire F5 direct. Là, il est en train de compiler, je crois. Il va prendre un peu de temps. Et je vais voir ce qu'il a fait. Allons-y. Je sais que j'ai oublié quelques petits trucs que je vais vous montrer tout à l'heure. Bah, il n'a rien fait. Il m'a fait nouveau client, ainsi de suite. Maintenant, pour que ça marche, alors voilà, je crois que il faudrait, pour qu'il applique ça, je vais aller sur ma table ici. Alors, la table, il y a des th/th, regardez, et puis il y a les td, là où il y a les données, vous voyez, là. Je vais aller juste avant le premier tr ici, là où il y a les th, et je vais faire une balise th. On avait dit pour la balise th, c'est quoi, pourquoi faire? Pour la balise TH. Pour qu'il sache qu'il y a une en-tête dans le tableau. Et après, pour qu'il applique mon style correctement, il faudrait que juste avant le TH, je lui donne le corps du tableau, qui est le T body. Et je ferme. Je le mets ici, CTRL X, et je le mets juste avant le slash table. Voilà, tbody slash table. Logiquement, il doit marcher avec CTRL F5, c'est ça? Parce que je n'ai changé que le. Alors je me mets là, et je fais CTRL F5. Il va actualiser, mais ça ne marche pas. Bien, ça ne marche pas, je vais faire touche droite et je vais faire inspecter l'élément. Regardez. Là, je vais aller sur console et je trouve que il y a un problème dans l'écriture que j'avais mis dans le script. Si je clique dessus, là, il me dit, qu'est-ce qu'il me dit? Il n'a pas reconnu cette partie-là, cet appel dans le script. Alors voilà ce que je vais faire, je vais revenir sur mon code. Et qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié, une petite instruction que j'ai oubliée, c'est de lui dire que je suis dans une section script. Alors pour le faire, je vais lui dire arrobasque, section espace script, et j'ouvre une accolade ici et je la ferme à la fin du script, CTRL X, et je la ferme à la fin ici, je la ferme. Alors là, je vais enregistrer quand même et je fais F5 cette fois puisque j'ai changé un petit peu le code. Alors je me mets là et je fais F5. J'espère que cette fois ça va marcher. Ça a marché. Alors regardez, c'est juste en rajoutant les nuggets, en paramétrant les bundles et en copiant les fichiers JS et CSS dont j'ai besoin et en appelant cette fonction DataTable, j'ai maintenant un filtre ici. Regardez, si je fais par exemple B, G par exemple, il n'y a rien. Si je fais E,
il faudrait que j'ai E, bizarre, E. Il n'y a pas de E. Je fais H. Et il me filtre sur le H, le E. Je crois qu'il y a un espace, espace E. Le E, il ne marche pas. Pourquoi? S. Je fais entrer. Regardez. Alors, je vais me mettre quelque part à l'extérieur. Je mets S. Pourquoi il ne fait pas S? Dans search. Je fais A. Il m'affiche pour les A. Pourquoi il ne marche pas? Alors j'ai Alawi, Ayman, Ashouri et Hanan. Normalement, si je tape A, il doit m'afficher que ceux qui ont A. Ah, il y a A, il y a partout. Hein. Alors je vais faire Y par exemple. Y. Là, il m'affiche que Y. Voilà. Alors il cherche la lettre là où elle est. Maintenant, vous pouvez toujours, si vous avez plusieurs données, moi j'en ai pas, afficher par tranche de 10, de 25, de 50 ou de 100. Et vous avez la pagination aussi, vous avez une seule page, mais si vous aviez plusieurs données sur plusieurs pages, vous aurez les paginations ici. Vous pouvez aussi trier, par nom, par prénom, ainsi de suite, et là vous avez la modifiée et tout. D'accord ? Bien, je reviens sur retour à la liste. Là, on a terminé le travail pratiquement. Qu'est-ce qu'on avait fait? On avait installé les nuggets. On est allé sur le bundle.config et on a ajouté dans cette partie-là le fichier script.jQuery.datatable et celui du bootstrap. On est allé sur cette partie-là et on a ajouté les deux, on a ajouté un seul fichier qui est le datatable.bootstrap, les deux fichiers. Et puis, on est allé sur la vue client, c'est pas celle-là, c'est index.html. Et on est allé sur mon tableau ici, j'ai ajouté une balise head et slash head, et tbody et slash body, et tout en bas. J'ai appelé section script et j'ai ajouté ce script là. Regardez, ce script là. Et ça a marché tout seul. Voilà, on a réussi notre data grid view avec le nombre de lignes, avec une recherche et avec une pagination.